Amitié, fidélité. Ce sont les deux mots de ce voyage impérial. 6 ans, lourds d'événements, ont passé depuis la dernière visite à la France de Sa Majesté le Sultan, sans rien changer à l'union franco-marocaine. Mais aujourd'hui, la visite de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef s'effectue sous le signe de la victoire. De Casablanca, au milieu du déploiement traditionnel qui entoure les visites des souverains, le croiseur Gloire va transporter à Cherbourg Sa Majesté chérifienne, accompagnée de son fils aîné, Moulay Hassan. Devant l'escorte de destroyers est apparu le croiseur Lorraine qui salue rituellement l'impérial passager. Voici Cherbourg. Cherbourg, premier coin de cette France que le sultan retrouve aujourd'hui, endeuillée mais victorieuse. Sur le quai, M. Jacquinot, ministre de la Marine, et M. Gabriel Puot, résident général de la République française au Maroc, sont venus attendre le sultan. Et bientôt, c'est la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques. Le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris. Rencontre attendue qui met face à face deux hommes, deux chefs qui ont tous deux, aux heures les plus tragiques, fait confiance à la France. Le geste du sultan est justement le geste de cette foi française. À l'heure où les problèmes de l'avenir se posent à la conscience du monde, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef affirme de la façon la plus noble et la plus éclatante sa foi dans la pérennité de la France. À l'Arc de Triomphe, sur la tombe où dort le soldat de 18, il vient s'incliner. C'est dans cet hommage silencieux l'union de ceux, Marocains et Français, qui se sont battus contre le même ennemi, qui ont gagné la même victoire. Le second geste est le geste de la piété marocaine. La mosquée élevée dans Paris reçoit la visite du croyant. C'est l'honneur du Maroc d'avoir cru en la France, c'est l'honneur de la France d'avoir respecté, cultivé, honoré les croyances et les traditions des peuples de l'Afrique du Nord. Après ces gestes symboliques, premier contact personnel. Au pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne, le sultan assiste à une réception intime donnée en son honneur par le comité France-Maroc, dont chacun connaît l'œuvre immense de compréhension mutuelle accomplie dans les deux pays. À l'hôtel Talleyrand, dont le gouvernement a fait la résidence du sultan, le général de Gaulle offre à l'hôte de la France le présent auquel un cavalier et un Marocain puissent être le plus sensibles. Un magnifique pur sang, descendant authentique des 3 chevaux arabes importés en Angleterre au XVIIe siècle et dont sont issus tous les purs sangs du monde. Et c'est d'autres purs sangs qu'à Auteuil va pouvoir admirer devant la foule la plus élégante, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef. Des meilleurs cracks français vont disputer sur 6500 mètres, semés de 12 obstacles, l'épreuve la plus dure du continent, le Grand Slip, doté d'un prix de 1 million. Des yeux, Sa Majesté et son fils suivent les deux favoris, Boum et Murigo, qui luttent côte à côte. Thank you.
rivière des tribunes, Boom saute en tête devant Murigo. Tout le monde passe. Chose inhabituelle, l'épreuve tout entière se déroulera sans une seule chute. Maintenant, Murigo a pris la tête. À la double barre, Boom est troisième et semble peiné. Le favori va-t-il abandonner? Mais voici la rivière du 8. Boom a repris de la vitesse et saute en seconde place. Dans le dernier tournant, Boom a repris une forme étincelante. Il démarre, il triomphe et enlève la grande course de l'année. Et voici la plus belle page du prestigieux voyage. Place de la Concorde, sous un soleil de victoire, Sa Majesté le Sultan va assister à la fête triomphale de l'armée française. Accompagné de M. Bizot, ministre des Affaires étrangères, il prendra place à la droite du général de Gaulle. Personne n'a oublié les déclarations de fidélité faites en 39 et 40 par le sultan aux heures les plus tragiques et les plus tristes, au jour de l'entrée en guerre et au jour de la défaite. Sous le toit de l'aviation, voici Leclerc, qui avec ses chars venus d'au-delà du désert, redescend les Champs-Élysées qu'il parcourut voici près d'un an, au jour de leur libération. Juin de la victoire, il scelle dans la gloire cette union de deux peuples et de deux nations, scellées déjà dans la guerre, dans la prospérité et dans l'épreuve de la défaite. Cette union dans la victoire, elle va se traduire maintenant dans le voyage qui va mener le souverain par Strasbourg jusqu'au cœur de l'Allemagne, jusqu'en Autriche. Accompagné de M. Bollaert, préfet régional de Strasbourg, le sultan traverse le Rhin, dont ses troupes ont, aux côtés des unités françaises, forcé le passage. Première station en Allemagne occupée, voici Rottweil, où le général de Monsaber, commandant les troupes d'Afrique, vient saluer Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, et M. Gabriel Puot, résident général de la République française au Maroc. En l'honneur de l'impérial visiteur, les paysans allemands ont préparé une fête et exécutent les vieilles danses masquées qui marquent traditionnellement dans ce pays le solstice d'été. Constance marque la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. C'est là que le général Delâtre de Tassigny, qui commande la première armée française, fait au sultan, au milieu du peuple vaincu, une réception inoubliable. Et le sultan retrouve ici, sur une terre domptée, les fils de son pays, parmi les troupes qu'il récompense de leur valeur militaire et de leurs souffrances passées. À travers le lac de Constance,
Le sultan, accompagné du général Delattre de Tassigny et du résident général, gagne, à bord d'un bateau qui porte le nom glorieux de la première armée, la terre d'Autriche. Cette promenade jusqu'aux confins de l'Allemagne vaincue, le sultan peut ici en évaluer le sens profond, la victoire authentique de la France. Bregenz fait face à Constance. Ici, nous sommes sur la terre autrichienne, sur cette terre qui fut la première victime de la rapacité allemande. Et c'est une sympathie heureuse qui accueille ici le chef du peuple marocain. Ce n'est pas seulement à la victoire de la France qu'a participé le peuple marocain, c'est aussi à la libération de l'Autriche. Sur cette terre d'Autriche qui retourne à ses destins, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef reçoit comme à Rabat le salut de son peuple. Car son peuple est là, avec ses guerriers magnifiques dont le courage et la valeur ont été parmi les artisans de la victoire. Et dans la nuit, c'est au milieu d'une fête de lumière que le souverain regagne Constance. Sigmaringen marque une station de choix dans ce voyage triomphal. Dans les salons de ce château qui fut le berceau des empereurs d'Allemagne, dans ces pièces hantées hier par le délire germanique, c'est la France, aujourd'hui, qui reçoit un hôte respecté. Retour, le sultan traverse Stuttgart, capitale du Württemberg, conquise de haute lutte par les troupes de Delattre, où le général Guillaume lui présente les troupes de son pays. En remettant aux soldats de sa race, chez l'ennemi vaincu, des décorations françaises, le grand chef musulman confirme cette œuvre constructive de l'amitié de deux peuples, cette création continue dont les résultats couronnent les efforts de Lyautey et de ses successeurs.
Monsieur Gabriel Puot, résident général de la République française au Maroc, pourra évoquer devant le spectacle des troupes marocaines la communauté des destins qui lie le Maroc à la France. Retour en France. Nancy fait un accueil enthousiaste au sultan du Maroc. Dans ses décors grandioses et délicats, la capitale de la Lorraine remercie par toutes ses voix le chef d'un peuple qui, en dépit des avatars de la guerre, a montré la qualité la plus sensible au cœur lorrain, la fidélité. C'est la même qualité qu'acclament les populations du centre de la France lorsque Clermont-Ferrand et toute l'Auvergne reçoivent à la fois la visite du chef français et du chef marocain. Dans ce pays où se dressent les plus vieilles montagnes d'Europe, le sultan entendra battre le cœur du vieux pays français, cœur qui n'a jamais su battre au long des siècles que pour les grandes causes et qui a placé au premier rang l'honneur et l'amitié. Clermont-Ferrand marque dans ce voyage l'attachement de la France au chef qui lui a rendu son avenir et son espérance. Après les dures épreuves imposées par 4 années de deuil, la nation retrouve peu à peu ses moyens et ses forces de grande puissance. Le résident général, M. Gabriel Puot, sous la haute approbation du sultan, pourra transmettre au Maroc ce message revigorant. Aux usines Michelin, où le général de Gaulle vient dire aux ouvriers la confiance du pays, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef a pu voir de quelle foi aussi est animé le peuple des travailleurs. C'est, le long des routes d'Auvergne, une course rapide à travers villes et villages où les populations respectueuses regardent passer le cortège fugitif. À Aurillac, l'hôte de la France est reçu par des démonstrations enthousiastes.
Avec le général de Gaulle, hommage aux morts de la guerre, aux morts de la résistance, à ce régime de pillage et de sang instauré par les Allemands, le sultan ira s'incliner devant le monument aux morts. Pieuse pensée qui touche au plus profond le sentiment français. Puis, le barrage de Saint-Étienne, quant à l'est, retiendra l'attention du souverain. Cet énorme ouvrage, l'un des plus modernes du genre, a été achevé en dépit du manque de matériaux sous l'occupation. Il sera l'un des piliers de l'armature hydroélectrique de la France de demain. C'est sur son modèle que naîtront au Maroc plusieurs barrages qui permettront de déverser sur les campagnes le flot d'une prospérité nouvelle. Le voyage est fini, le sultan a quitté la France pour retrouver son peuple. À Casablanca et à Rabat, ce peuple est là, qui se presse pour l'accueillir. Le voyage est fini, mais ces images ne quitteront plus l'esprit de l'impérial visiteur. Ces images de France, ces images d'Allemagne, lui restent comme un impérissable souvenir. Ces heures inoubliables, dans le rayonnement doré d'un Paris de victoire, dans le chaos vaincu des villes d'Allemagne, dans le bleu d'un lac autrichien, elles resteront dans sa mémoire comme le témoignage d'une union franco-marocaine, conçue naguère dans la raison, établie plus tard dans la confiance, scellée dans le sang d'un même combat, et aujourd'hui, à la lumière d'une victoire commune, tournée vers le même avenir.